Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Je le dis à ta place, j'ai pris les devants. Ça me va. Aujourd'hui, on reçoit David, un abonné de Armentières. Une heure de route pour venir voir deux guignols du Nord qui font des vidéos sur YouTube. C'est ça. Ok, bon, il est content d'être là, au moins c'est bien. Pimous va s'occuper de toi, parce que je crois qu'il t'a prévu une grosse séance full body. Une séance, ça va. Ça va ? C'est une séance, ça va. Tu vas être gentil aujourd'hui ? Non, c'est une vraie séance, mais ça va. Un full body. Moi, je vais essayer quand même de te corriger techniquement, mais je crois que tu es déjà bien avancé dans ta pratique. Ça fait pas mal d'années que tu t'entraînes. 20 ans, mais pas forcément bien. 20 ans, mais pas forcément bien. Ok. Il y a eu de la moto, il y a eu de la boxe française, tu m'as dit, et beaucoup de muscu, d'haltérophilie surtout. Aussi. Donc au niveau des perfs, on est pas mal là. Beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Vas-y, donne vite fait tes perfs squat, bench et soulevé de terre. Le mieux que t'aies jamais fait, c'est combien? Alors le mieux, squat, j'en ai eu un 140. Ça va. Okay. En moins de 70. Ah, ouais. Bench, 140. C'est pas mal. Il a mon bench. Et deadlift, j'en fais très peu. 150? Ouais, 150. Ok, bon, ok. Bon, il est père de famille, il a 37 ans les gars. On l'a surtout invité parce qu'en fait il devait nous offrir un cadeau. Donc sur Instagram, il nous a dit les gars, j'ai un cadeau pour vous. Du coup, on a dit bah viens. Nous, on demande aux gens de payer pour venir en voilà, fait, c'est ça. Viens. Bon, on va pas laisser repartir sans rien, on va lui offrir son coaching. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez vous faire coacher, que ce soit sur place ou en ligne, il y a tout ce qu'il faut sur notre site internet www.fitnessfusion.fr. Bon, on arrête de parler, on va passer à la séance. On petit va faire quoi, échauffement, comme séance? Bah, gros full body. Un gros full body, ouais. Full body, moi, ça j'aurais fait un full body. Comme ça, on te voit un peu sur tous les exercices, on corrige un peu partout. Et ben on est parti les gars. Donc tu veux commencer au bench, tu m'as dit? Moi, je l'aurais fait commencer directement développé couché. C'est des exercices à fort recrutement nerveux. Hein. Développé couché, après ça va être le dos, les gros exos. On fait simple, ok. Au niveau avant tes exercices, tu fais quoi en général comme échauffement? Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Parce que toi, tu as des anciennes blessures, normalement. Ouais. Faudrait que tu fasses attention, tu vois. C'est quoi les vraies blessures que tu as eues, les plus sérieuses? C'est épaule, ouais. Pire. Triple fracture déplacée de l'omoplate, j'avais les bras carrément derrière. Du coup, nous, on va insister sur les épaules et sur les genoux avant de passer au squat. J'aurais fait faire de la presse, la presse en vrai. Sur un full body, j'aurais fait faire de la presse. Ouais, on passera la presse. Ouais, j'aurais fait faire de la presse plutôt. Il n'y a pas l'air d'aimer ça. De toute façon, un bon programme, c'est un programme que t'aimes. Donc, si ouais. L'exercice, que c'est la presse, c'est un peu. Vaut mieux faire autre chose. J'ai la presse, mais j'ai l'impression que. Ah, c'est du squat d'assisté. Hein. C'est du squat d'assisté, clairement. J'ai le même problème. J'ai des grosses fesses. J'ai le même problème. J'ai le même problème. J'ai bon, super bon, mal dans le vidéo, j'ai le même problème. Ouais. Je te laisse t'échauffer tes épaules, tes coudes. Tu connais, hein, je pense que je vais pas t'apprendre si tu en as besoin. Vraies chaussures. Les chaussures, c'est bon pour la séance là ? Hein ? J'ai filmé, j'ai dit là des belles chaussures. C'est des Jordan 3. Kiff, hein. Ouais. On va finir au Hellfly vite fait pour l'épaule. C'est tu vrai. Connais cet exercice Hellfly ? Ouais, vas-y, je te laisse faire. Voilà, nickel. Hellfly, les gars, c'est un super exercice pour la santé de votre épaule. Si vous avez des petites douleurs, tout ça, essayez de renforcer. C'est un petit muscle qui se trouve à l'intérieur de votre épaule. Et s'il n'est pas musclé, le nerf, il a tendance à bloquer. C'est là où on a des douleurs. Donc, vu qu'il y a eu pas mal de blessures, c'est bien de le faire avant chaque séance. Tu le faisais en rééducation? Voilà, donc les kinés, ils le donnent souvent en rééducation, tout ça. Nous, on va le donner. Je t'assiste. Ça fait vraiment bizarre. Ah, il a voulu faire une séance FF, il va falloir assumer. Ah, et vous voyez, dans les programmes personnalisés, les gars, on s'adapte. S'il y a d'anciennes blessures comme ça, dans les échauffements, vous aurez de ce genre d'exercice. 2-3 séries de chaque bras. Il faut juste que ça chauffe. Pas obligé de prendre de temps de repos, 15-20 reps. Tu vois, j'ai mis très léger. C'est pas un exercice de force, les gars. On travaille à la sensation ici. Écoute. Dis-nous tout. Bon, il nous a dit de couper la caméra. Je me suis dit. Bah, pourquoi elle tourne? Tout seul, hein, la tournée. Attends. Je voulais vous demander si ça vous coûtait cher de vous charger. Et voilà. Ça, c'est les abonnés. Non, je sais pas si nos abonnés pensent qu'on est chargé. Je pense pas, sinon ils ne regarderaient pas. Si, je pense. Dites-nous pense en commentaire que... combien de pourcents de chargement vous nous mettez. Je pense que la plupart, ils pensent que vous êtes chargé. Non, pas la plupart. Parce que quand on vous voit, moi, je peux vous dire en vrai, on a l'impression qu'ils sont chargés. Même en vrai, là? Non. Parce que moi, j'ai l'habitude. Enfin, j'ai connu beaucoup de salles, beaucoup de personnes. En vrai, non. Vous êtes très bien entraîné avec une bonne diète, une bonne génétique. Ouais. Mais pour la majorité des gens qui sont
qui s'intéressent à la muscu maintenant. Ah, ils nous voient. Ils vous voient tous comme des mecs chargés. Mais là, toi, tu nous vois, t'en penses quoi? Non, vous êtes bien. On est bien, mais tu crois qu'on est chargé ou pas? Non, ça va. Au début, je me suis dit, merde, il rigole ou pas? Mais impressionnant. C'est vrai, même en t-shirt et tout. Tant mieux. Surtout Pumus. Let's go. Ah ouais, je le sais, je fais 75 kilos. Ouais, non. Mais... Et pourquoi je suis en oversize? Ouais, il y a 10 sur c'est bien. Ça va me mettre tout nu, je vais le traumatiser. C'est la génétique. Et ça m'arrange pas, hein. C'est pas ce qui m'arrange le plus pourtant. Bah après, ça dépend ce que allez. Tu recherches. Ça dépend ce que tu recherches. Ouais. Surtout Pimous. Les gars, faut pas jouer outside moi, je vous l'ai déjà dit. Bon. On est parti. On chauffe doucement les pectoraux. On monte progressivement, on essaie de faire un top 7, c'est ça? Méthode Pimous. Là, on va nous essayer de regarder la technique, voir s'il y a des choses à corriger. C'est un power, à mon avis, il a plus à nous apprendre que et nous, on a à lui apprendre. Franchement, c'est très propre. Ouais, vous voyez, sur le bench, en fin de mouvement, vous devez être en bas des pectoraux. Là, il le fait très bien. Et en haut du mouvement, vous êtes au milieu du pectoraux. Les coudes sont bien rentrés, pas trop collés au corps, ni trop écartés pour protéger ses épaules. Il utilise assez ses jambes, on voit que les quadriceps, ils sont contractés. Donc, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc, monte progressivement de 10 en 10. Parce que si on part sur la méthode Pimous, tu vas monter de 25 en 25, ça va faire tout drôle. Toujours pas, tu vas jusqu'à ce que tu sens que ça travaille. Jusque ça chauffe bien. Là, tu chauffes, tu sens que t'es pas bien allé sur le mouvement, même quand tu vas charger, que ça te tire pas. Voilà. Il a vraiment des bras courts. Hein. Ouais, il est comme moi, il a vraiment une petite amplitude. 1m70. Un beau potentiel pour le bench. Ça. Bah, c'est pour ça qu'il y a un 140 au bench. Hein. Et encore sans forcer, je pense, hein, parce que je le prends sous mon aile, je le fais aller chercher les 160 ans. Si. Là, ça commence à devenir une barre sérieuse pour toi. 60 kilos, c'est du jus. Il ment. C'est une question. Là, au maximum, tu es capable t'en de faire du jus. T'en fais 10, ça, c'est bien, je pense. Non, là, il est pas en top 7. Donc, il va même pas à l'échec, il reste toujours de l'échauffement. Ouais, mais je te demande, tu serais capable de faire combien? 15 reps? 20 reps? Ouais, 20. T'en fais 10, 12 pour continuer. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. On attaque le top. Lorsque vous commandez un coaching sur notre site internet, vous avez un questionnaire. On vous demande au développé couché votre 1RM, le max de poids que vous pouvez mettre pour 10 répétitions. C'est pour ça qu'on pose ce genre de questions pour voir ce qu'on peut faire avec. Du coup là, c'est encore de la chauffe. Ok, donc va pas te cramer. Hein. Non, je lui ai dit, t'inquiète, direct, toujours dans la chauffe. Bien préparer le muscle à l'effort. Donc moi, je laisse Pimous gérer les charges, tout ça. Hein, je l'aurais peut-être même mis à 90, mais comme il m'a dit qu'il est anciennement blessé à l'épaule, je vais éviter d'aller trop d'un coup. Moi après, j'y vais, il y a une bonne j'y vais. Technique, ses épaules, ouais, elles sont je sais. Mais ouais, je préfère y aller doucement parce qu'il y a une ancienne blessure à l'épaule. Et moi, quand je faisais des top 7 et je bourrinais comme une brute, ça m'a coûté une tendinite à cause des rotateurs. Donc je me dis, lui qui a déjà été blessé à l'épaule, je vais pas faire le con parce qu'il va y avoir droit aussi sinon. Donc là, on part sur la première série. 85. Là, on part sur la première série. Première okay. série, c'est maintenant. Donc là, on va finir de blablater, on va faire des petits plans, les je gars. Ça. On va vous faire kiffer. Ok, donc là, l'objectif, c'est. D'habitude, il travaille à 80, il fait du 8 10 reps. Là, j'ai mis 85. Et l'objectif, ça allait d'être chercher 8 10 reps malgré que ce soit 85. En fait, la première, le top 7, souvent moi je vais à l'échec sur la première et ensuite je baisse mes charges pour retravailler à une charge que je maîtrise. Et logiquement, vu que tu t'es tout donné, etc., ta charge habituelle que tu maîtrises te paraîtra plus difficile. Ok, allez, c'est parti. Je vais t'aider à la prendre, comme ça tu te crames pas du tout. Allez. Parfait, bonne technique. Il inspire à la descente, il expire à la montée, c'est hyper propre. Peut-être même plus propre que moi. Tu peux encore, t'as encore du jus, vas-y. Va la chercher. Nickel. L'avantage d'avoir un coach, c'est que ça pousse à l'échec. Tu peux aller à l'échec. Il y a quelqu'un derrière toi qui peut s'occuper de relever la barre si tu la montes pas. Mais faut pas travailler à l'échec sur chaque série, chaque exercice. Ça, c'est un truc de dopé. Si tu fais de l'échec sur chaque série, la seule chose que tu vas avoir, c'est que tu vas te cramer nerveusement. Au bout d'une semaine, tu n'auras plus envie de t'entraîner, tu n'auras plus envie d'aller à la salle, tu n'auras même plus la force de toute façon. Faut faire ça intelligemment. Les top 7, c'est pas à chaque série, c'est pas à chaque entraînement, c'est faire ça intelligemment. Ouais. Là, faut que tu doutes de toi. Allez. Et encore. J'en veux 3 encore. Allez. Et 8. Allez, plus de place à la fin. Bien joué. Ok, donc les pecs c'est bon, on passe au deuxième exercice, on va faire le dos. Là on va partir sur du tirage vertical, mais moi ce que je recommande quand tu fais du full body ou même du half, c'est une fois tu vas faire du horizontal, une fois du vertical, une fois de l'horizontal. Sinon tu fais que de la largeur, à la fin t'es large mais t'es épais comme un casse-croûte, ça sert à rien tu vois. Donc là on va faire ça, 4 séries pour le dos et il n'y aura pas de top 7 ou quoi, là tu vas travailler en série de 8-12, assez lourd, toujours avec une à deux reps dans le corps pour pas aller à l'échec et te cramer parce qu'après il y a encore des gros exos qui t'attendent. Rien à dire. Il n'y a pas besoin de le corriger. C'est très propre. Quoi, 15 ans, tu m'as dit que tu faisais des muscles. 20 ans. C'est bon, on n'a plus rien à lui apprendre techniquement. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui faire un beau programme pour
qui progressent. Mais ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est pour nous, c'est une mine d'or, hein, les élèves comme ça qui viennent nous voir parce que c'est trop facile en fait, de leur faire les exercices. C'est trop facile. S'il les fait sérieusement, c'est ça. Tout gagné. Le mec, tu lui envoies le programme, tu dis si t'as besoin que je te coach. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète, je gère. Troisième exercice, on a fini le dos et pour les épaules, j'étais pas sûr soit le développé militaire, soit le développé latéral. Donc on s'est concerté, c'est ça qui est bien aussi quand il y a deux avis. On peut demander l'avis de ce qui en pense, etc. Et comme ça, on s'arrange. Donc on fait élévation latérale au lieu de développé militaire en superset avec oiseau. Moi, j'étais parti pour qu'élévation latérale, mais il a raison, autant faire un superset avec l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Comme ça, on recrute les deux faisceaux, sachant que l'avant de l'épaule a déjà travaillé sur le développé couché. Comme ça, on est parti, on a travaillé tous les faisceaux de l'épaule, même le zizi si tu veux. Il a tout dit, j'ai plus rien à dire, les gars. Pimous, super coach. Après, tu sais, tu te mets tout nu, David. Ouais. Non. Ah, pour le watch time. Non. On est obligé. Ouais, je m'échauffe. Mais ils vont être dégoûtés, les abonnés. Il y a une sacrée souplesse, hein. Pete, hein. Bon, ça va, il y a la parallèle. Il y a une bonne souplesse, il descend et bien. C'est un bencher. Ouais. Travail de muscle, on n'est pas là pour faire la paire. T'es parti vomir? Pas encore, il se fout de la gueule de ta séance. Il a dit que c'était trop facile. Je suis ému. On fait simple, dernier exercice. On fait simple, efficace, dernier curl exercice. Biceps. Curl biceps et magic triceps. Voilà. Aussi simple que ça. Classique, simple, efficace. Magic triceps, je connais pas. Je connais Magic Mike. Moi, je connais aussi. Channing Tatum, je connais bien. Les gars, arrêtez de vouloir tuer des mecs. Comment ça s'est passé la séance? C'était très très bien. Il n'y a pas de micro, Joël. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Pas de micro. Cousin, comment on fait? Attends. Tu le colles. Ça, j'aime bien coller les gens. Colle-le bien. Colle-le bien parce qu'il n'a pas de micro. Ça va, ça a été? La séance était super, des vrais professionnels. Eh, on dirait, on t'a payé pour dire ça, vas-y, arrête de dire des conneries. On l'a payé, ouais. On t'a pris un petit truc, nous aussi. Ah, bah d'ailleurs, je vais leur montrer aussi en caméra ce que tu nous as offert. Parce qu'on sait déjà, les gars. Et un code Miché avec un dessus. C'est rien d'important, c'est. Des petits chocolats. Oh. Des chocolats protéinés. Light. Donc les gars, sur QNT, moins 20%. Tu nous diras si c'est bon en commentaire. Il y a des gens qui aiment pas parce que c'est assez amer. Hein. Faut pas s'attendre à vraiment... C'est vraiment bon. Ouais, mais faut pas s'attendre à du vrai chocolat, à des vrais maltésers. C'est du chocolat noir, voilà. Merci. Bah de rien. Maintenant le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Là, j'ai hâte de le voir. En plus, c'est un match. Il a même fait un cadeau à ma copine. Je sais pas ce qu'il veut faire. Tu veux serrer ma copine ou c'est comment? Là, il m'a demandé. Et franchement, elle va être heureuse. Il faut aider les jeunes qui essaient de s'en sortir. Franchement, les ça tue. Les jeunes entrepreneurs, il faut les aider. Elle va être contente. Alors, à quoi ça ressemble? C'est un truc qu'on va mettre dans ton garage. Là, on va tourner les vidéos du mercredi. Avec ce que je lui donne là, plus 20 kilos sur toutes les barres. Les gars, les produits, c'est maintenant. On l'a pas appelé pour les rien, lui. C'est maintenant, il a dit. Oh, j'ai vu un truc. Oh. Oh là 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 là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ah ouais. Eh, hey, merci vraiment. Parce que FF, on le fait avec le cœur. Et le fait de le voir comme ça, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est en quelle matière du coup? Incroyable. En acier, en tôle acier, 3 mm. On va faire une photo avec. Hein, pour la Minia. Il y a celui pour la maison de... Ah là, et ça c'est pour le bureau. Oi, 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 oi. Incroyable. Après, si tu veux, vu qu'on tourne dans ton bureau aussi, on peut le laisser dans ton bureau. Non, tu vas prendre dans le tien. Moi, j'ai ma déco gaming gros dans mon bureau. Bon, nickel. Après, il y a d'autres petites surprises. Et il a ramené sa maison, ça y est. C'est trop bien fait, je suis choqué. Bon, les gars, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez nous faire des cadeaux, n'hésitez pas. Un mini pimousse pour le bureau. Oh, ça défonce. Il lui a fait un Arnold. Ça défonce. Si vous avez des talents mais comme ça, crack, vous travaillez crack. Là-dedans, n'hésitez pas, les gars. Incroyable. Ça pour ton, ta chambre, ça tue. Un crack. Après, je sais que t'es un geek, un gamer, un pote. Allez, c'est bon. Hein. Amoureux de moi. On a vu qui était le préféré de David. Oh la dinguerie. Ah, l'enfoiré. Ça, sur le bureau, ça passe. Oh la dinguerie.
Le petit coucou. Oh, il est jaloux, il est jaloux, il est jaloux, je te le dis. Non, ça va, ça va. Oh la dinguerie. Mais on va ouvrir un commerce avec lui. La dinguerie, on va se faire des sous sur lui. Toujours, on va se faire des sous. Bon, après 50 euros si ça vous intéresse, sur fitnessfusion.fr. Donc ça, c'est pour Didio, pour sa femme. Dinguerie. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'es un match. Celui pour le bureau. Tu gères. Clara, c'est pour toi. En plus, elle a elle doit gérer un stand là bientôt. Elle va présenter son truc. Ça va être dessus. Linui.fr, les gars. Oh là là, tu gères. Merci, 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 merci. Bon, on va se laisser là. On va lui faire l'amour, les gars. Tu fais la conclu, Pimous. Bah, c'était Fitness Fusion, force et fun.